Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Mohamed Soumas est le nom de l'espion envoyé par le pouvoir pour espionner les activités du FNDC Front National pour la Défense de la Constitution. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Un espion du pouvoir a été démasqué et interpellé ce lundi, 27 janvier 2020, au siège du FNDC, à Kipédédia. Après avoir reconnu les faits, l'intéressé a été mis à la disposition des services de sécurité, a appris Guinée Matin Com, à travers un de ses reporters. Mohamed Souma, membre de la coordination de la base Guinée, COBA, a été surpris en train de fouiller des documents et des sacs des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution, alors que ces derniers s'entretenaient avec Mohamed Ibn Chamba, le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Les opposants au projet de nouvelle constitution du président Alpha Condé l'ont pris d'abord pour un voleur. Mais, quand ils l'ont fouillé, ils ont constaté qu'il avait sur lui une carte de membre de la COBA. Ils ont constaté également qu'il était en train d'enregistrer tout ce qui se disait sur les lieux à travers son téléphone portable. C'est ainsi qu'ils l'ont forcé à donner son identité et les raisons de sa présence à leur siège. L'homme a reconnu avoir été envoyé par Malik Sankon, le directeur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS, pour espionner le FNDC. « Je suis membre de la COBA qui est une organisation de la base Guinée, dirigée par Malik Sankon. On m'a envoyé ici pour recueillir tout ce qui passe au sein du FNDC et le rapporter à mes responsables. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font de ces informations, je ne fais que les recueillir et rapporter. S'il y a des rencontres du FNDC, ils mandatent quelqu'un pour venir assister. Mais moi, c'est ma première fois de venir ici pour assister à une rencontre », a expliqué l'espion. Mohamed Souma précise qu'ils sont nombreux à travailler comme espions sous les ordres de Malik Sankon et qu'ils n'ont aucun rapport avec les services de sécurité. Il dit avoir accepté de faire ce travail dans le seul but de se faire de l'argent, et demande pardon au FNDC. « Moi, je ne peux que vous demander pardon pour l'acte commis. Parce que votre combat est noble, vous le faites pour tout le monde. Mais parfois, quand on n'a pas les moyens, on est obligé de faire certaines choses qui ne sont pas normales. Donc, comme chaque fois que nous leur rapportons quelque chose on peut avoir entre 200 000 et 300 000 francs comme prime, on le fait. Parfois même, on peut mentir en disant « je suis passé à un endroit et ils ont dit ça et ça ». Tout cela pour gagner de l'argent, a-t-il laissé entendre. Les responsables du FNDC ont mis l'espion à la disposition du commissariat de police de Ratoma. Nous y reviendrons. Ça va? Présentez-vous. Oui, je comment vous appelez? C'est M. Souma, mon maître. Comment? M. Souma, mon maître. Pourquoi vous êtes là au siège du FNDC? Bon, je suis là tout simplement. Je suis un membre de COBAC. COBAC, c'est quoi COBAC? COBAC, c'est une organisation de la basse côte. Elle est dirigée par qui? Par Malik Sankon. Et vous, en tant que membre du mouvement de Malik Sankon, vous cherchez quoi au sein du FNDC alors que le FNDC avait une réunion avec les Nations Unies? C'est toujours se venir requérir des informations de ce qui se passe ici. Et qui vous a envoyé pour recueillir les informations? Oui, c'est la source, c'est le bureau même. Qui? C'est l'agence même. Quelle agence? C'est le COBAC. Oui, qu'est-ce que vous faites de ces informations que vous recueillez ici? Bon, c'est-à-dire, bien seulement, j'assiste. De ce qui se passe ici, là, je donne de l'information. Oui, vous faites quoi des informations que vous recueillez ici? C'est-à-dire, ce qui se passe, tout ce qui se passe ici. C'est-à-dire, je viens, je relate ça là, je les informe ce qui se passe ici. Oui, quand vous les informez, vous faites quoi de ces infos que vous recueillez ici pour envoyer là-bas? Bon, je nous envoie, bon, parce qu'on ne connaît pas le fond, mais nous envoie, c'est tout simplement accueillir des informations de ce qui se passe au niveau de FDML. C'est la quelième fois que vous venez ici? Non, c'est la première fois quand même. Qui vient d'habitude pour vous? Pardon? Qui sont les personnes qui viennent d'habitude? Non, parfois, parce qu'en partant, s'il y a des mouvements,
C'est-à-dire on envoie, on mandate quelqu'un pour aller assister certaines réunions qui se passent. Oui, est-ce que c'est la première fois que quelqu'un d'entre vous participe à une réunion du FNDC? Moi, ça, c'est la première fois et je n'ai pas entendu. Et vous êtes combien à faire ça? Non, parce que chaque commune a leurs ressources, a ses agents. Donc moi, en tout cas, c'est la première fois. Et quels sont les lieux où vous déployez vos différents agents? Depuis, tu vois, même les communes, là où il y a des grandes réunions. Au-delà d'enregistrer les réunions du FNDC, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je suis agent communautaire. Non, pas vous, oui, le mouvement COBAC. Qu'est-ce que vous faites d'autre au-delà d'enregistrer et écouter et suivre les gens du FNDC? Qu'est-ce que vous faites comme action sur le terrain? Bon, nous, on va seulement, bon, on regarde, on suit toutes choses qui se passent là-bas. Bon, après, quand on va, on remonte. Et il y a combien de types de mouvements chez vous là-bas, à part ceux qui suivent, qui enregistrent et qui envoient? Qui sont ceux qui passent dans les actions chez vous là-bas? Je n'ai pas compris la question. Non. Il y a combien de nombre de groupes chez vous là-bas qui font des actions? Non, mais ça, c'est des enfants, des jeunes qui font ce truc. C'est pas nous. Parce que dès qu'il y a un mouvement, les enfants aussi s'infiltrent pour faire du mal à comment dire, à les choses. Et qui entretient ces enfants qui font ça? On peut dire que c'est l'État qui... Où se passent vos différentes réunions pour vous déployer sur le terrain? Non, on fait à Bessia. Bessia Cité, comment on appelle ça? Bessia sur Corniche là-bas. Et qui d'autre a des questions? Est-ce que déjà ici, les membres du FNDC ont mis main sur vous? Est-ce que votre délégué est au courant déjà? Non. Et comment oserez-vous rapporter les faits, s'il vous plaît? Là, je voudrais vous dire seulement de vraiment de me pardonner de l'acte que j'ai commis. C'est que vous voulez que vous êtes en train de faire, vraiment c'est un acte vraiment humanitaire. Parce que vous défendez pour tout le monde. Mais bon, mais si parfois quand on n'a pas de moyens, tu es obligé de faire certaines choses, si tu vois que vraiment c'est pas la réalité, justement. C'est pas normal. Est-ce que vous êtes payé pour votre mission là? Le plus souvent. Bon, comme si tu rapportes quand même des informations, là, on va avoir au moins 200 000. Pour la mission de jour, votre patron est accusé d'avoir été celui qui aurait peut-être poussé certains jeunes à brûler les véhicules à Madina. Kassa. Est-ce que vous êtes informé de cela? Est-ce que ça s'est passé? Bon, quand j'étais en voyage, parce que j'avais un déjà au village, j'étais parti quand j'étais venu maintenant, j'ai trouvé ce problème-là. Alors, je ne sais pas clairement ce qui s'est passé là-bas. Oui, mais vous dites que vous êtes payé. Qui vous donne l'argent? Bon, la chose... Comment dire? De notre direction là-bas. Quand tu vas, tu rapportes quelque chose. Mais parfois, tu peux même y aller, quand vous dites le manchon, et dire, ah, vraiment, moi, je suis parti dans quel parti. On a fait ça là. Tout ça là pour gagner quelque chose. Et comment vous travaillez avec eux? Parce qu'eux, ils travaillent à leur sujet. Et que nous, c'est autre chose. Nous, c'est quelque chose? C'est-à-dire, nous et la police, nous ne sommes pas sur les mêmes branches. La police, oui, mais vous font leur travail, nous aussi, notre programme aussi. Est-ce que vous leur donnez des informations souvent? Pardon? Est-ce que vous donnez des informations souvent à la police? Non, pas à la police, mais à notre direction, là. La version de chez Koubak. Qui d'autre a une question? Bon, parfois, quand on fait la mission, on peut donner au moins 200 contrats. Et à quel moment on vous donne l'argent? C'est quand vous ramenez les éléments? Oui, voilà, les informations. Maintenant, la quel cadre? Vraiment, ce que j'ai fait, c'est anormal parce que votre but, c'est la lutte vraiment de tout. Je ne parle pas du FNDC. Vraiment, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est anormal. Vous confirmez? Oui. C'est lui qui vous paye? Oui. Vous êtes au nombre de combien? Bon, ça dépend parce que ça commune à ce membre. Bon, vous êtes de manifestation du FNDC. Le plus souvent. Et quand vous participez, qu'est-ce que vous faites? Pardon? Pourquoi quand faire dans la manifestation? Non, nous, on ne manifeste pas ça. Ça, c'est le rôle des enfants. Nous, on ne fait pas ça. Non. Et ces enfants?
Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur. Allô? Non. Votre nom? C'est la coordination de la Basse-Guinée. Coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée.